Je voudrais remercier du fond du cœur mes deux professeurs de français, Madame Degène et Madame Dorieux, parce que c'est un peu grâce à elles aussi que je fais ce magnifique métier de journaliste présentatrice. Merci. Un grand merci à Madame Estève qui était ma prof de CM1. Merci Madame Alcade. Elle s'appelait Chantal Dupont et c'était ma prof de français de première. Elle nous a préparé au baccalauréat avec un magnifique groupement de textes sur le prêtre, héros de roman, très beau thème, original et pertinent. C'est le premier professeur qui nous prenait pour des adultes. Avec elle, on n'avait pas cours de français, on avait l'amour du français. Je voudrais remercier Monsieur Barreto. Je voudrais dire un grand merci à Monsieur Duruscac, mon prof de mathématiques en 6e, 5e, tout comme à Madame Lémé, ma professeure de mathématiques en CE2. Vraiment, ces deux profs qui m'ont donné le goût des mathématiques, le goût de l'analyse. Et finalement, si je suis aussi heureux aujourd'hui dans ce que je fais, c'est grâce à eux, je voulais les remercier très fortement. Un grand merci à Monsieur Bordeaux, mon prof de géopolitique. Merci à Monsieur Cloiseau. Je pourrais dire merci à plein d'enseignants, notamment de français ou d'histoire géo, c'était mes matières phares, mais je vais dire merci à Monsieur Tarabat, qui était mon prof de français de seconde, qui était non-voyant, qui me mettait des notes, mais vraiment nulles, jusqu'au jour où j'ai compris qu'il se faisait lire les copies. Et bien mon premier cours, finalement, de télé ou de radio, ou d'écriture journalistique même, c'est Monsieur Tarabat qui me l'a donné quand j'ai compris qu'il fallait arrêter d'écrire des phrases super compliquées et qu'il fallait être compris par les gens. Alors merci, Mustapha. Merci Justine Cochin. Pour Aurélien. Merci à Monsieur Patin, mon prof de vente. Merci à Alain Droguet qui a eu les palmes académiques et qui a été mon professeur de mathématiques en prépa HEC. Merci Monsieur Castaldi, mon prof de français et d'histoire géo. Moi je voudrais faire un grand coup de chapeau à un professeur que j'ai rencontré au Rwanda qui s'appelle Joseph et qui a permis à un jeune garçon albinos qui était reclus dans sa famille, dans sa maison, de pouvoir aller à l'école. Et la bienveillance de ce professeur a permis à ce jeune garçon de pouvoir avoir accès à l'éducation. Et je le remercie beaucoup parce que ce n'était pas évident et c'est un personnage extraordinaire, un professeur extraordinaire. Merci Monsieur Ruby. Merci à Madame Martha, ma professeure d'histoire en première ES et en terminale ES pour m'avoir donné le goût de l'histoire et surtout le goût de l'enseignement de l'histoire. C'est grâce à vous si je suis devenu professeur d'histoire, grâce à vous et grâce à Madame Ibos aussi un petit peu, mais je vous dois beaucoup. Je voudrais dire merci à Bernard Fan qui a été mon prof d'histoire à la fin des années 90, en prépa, et dont je garde un souvenir absolument merveilleux. Le plus grand merci, c'est pour Madame Sauvage. C'est vrai que j'étais pas super fort en maths à l'époque, mais je peux vous assurer qu'un an avec Madame Sauvage, après vous êtes un fort en thème, elle vous met tellement la pression. Elle avait une blouse d'ailleurs, je ne savais même pas que les profs de maths avaient des blouses à l'époque. Elle avait une blouse, donc rien que ça, ça te faisait peur. Mais encore une fois, 35 ans après, je remercie toutes ces personnes qui n'ont pas compté leurs heures et, pour nous transmettre tout leur savoir, et aujourd'hui, je les remercie. Merci Monsieur Grisé, professeur d'SVT en terminale. Un prof, ça peut changer une vie. Moi, je me rappelle de ma prof de physique. J'ai été en terminale, bac C à l'époque, ultra scientifique. Et j'étais nulle en physique, mais nulle. Et elle m'a dit très gentiment, Caroline, il vaut mieux que vous abandonniez. Concentrez-vous sur la chimie, prenez les 7 points. C'est ce que j'ai fait et j'ai réussi à avoir mon bac. Plutôt que m'enfoncer, elle m'a donné la solution et c'est peut-être grâce à elle que j'en suis là aujourd'hui. Alors je voudrais remercier Monsieur Fivet, mon professeur d'économie au lycée, qui m'a donné le goût des autres. Merci Madame Elmalem. Un grand merci à Monsieur Allaire, professeur de musique. Il mettait en place des grands spectacles qui embarquaient toute l'école. Sa passion, son énergie, sa créativité m'ont beaucoup inspirée dans mon engagement tant professionnel que personnel. Merci maman d'avoir été ma prof d'espagnol pendant un an et demi, parce qu'en première, je me suis fait virer de ma classe d'espagnol. Alors merci de m'avoir récupéré et d'avoir été la meilleure prof que j'ai eue. Je voudrais dire un grand merci à Monsieur Hummel, mon professeur de mathématiques en classe de 5e au collège Albert Camus à Gérardmer. C'est lui qui m'a donné le goût des mathématiques, m'a montré à quel point ça pouvait être ludique. Merci à Madame Perrine, ma prof de SES en terminale, qui m'a fait rattraper un an de SES perdu. Voilà, merci, j'ai eu mon bac. Le bon professeur, ça change une vie. Ma vie a été transformée par un professeur incroyable, un professeur que j'ai rencontré en école d'ingénieur. Ce professeur, il m'a donné goût à l'entrepreneuriat. J'y connaissais rien, c'était un rêve de gosse, mais comment faire, par quoi commencer? Joseph Orlensky m'a donné le premier pas à suivre. Merci, mademoiselle Capdepo. Le prof que je voudrais remercier, il est malheureusement plus là pour entendre ce message, mais peut-être qu'il m'entend quelque part, c'est monsieur Aymar, c'était mon prof d'anglais en 6e, et il a vu que j'avais une passion pour l'anglais, il me prêtait plein de BD pour progresser, et grâce à lui, j'ai fait ce métier de traductrice et d'autrice. Merci à madame Nining. Je voudrais remercier madame Littrain, ma professeure de CE2. C'est elle qui m'a fait prendre conscience pour la première fois que je pouvais être une personne très bavarde. Je tenais à remercier, j'avais un prof de maths qui s'appelait Monsieur Lacroix, qui était adorable. On aimait son humour, son ironie des fois, ce qui m'a donné le goût des études, un certain goût des études,
Je suis parti très loin, mais ce que j'ai fait, ça m'a servi. Merci, Madame Bonnet-Farlobet. Grâce à vous, j'ai appris le goût du travail, de la rigueur, de la discipline et surtout de l'anglais.